On va dire que mon travail de photographe, c'est comme je disais à Barbara, un peu un journal intime, une thérapie d'une peine de cœur, d'un manque. Je suis très contrastée, donc je peux aussi bien faire des flous que quelque chose de justement très graphique, très travaillé, ou quelque chose super nature, quoi. Tout ce qui est modèle me bloque un petit peu, dans le sens où je dois diriger le modèle. Ça, c'est pas facile pour moi. Et je pense que le modèle attend quelque chose. Vous n'avez pas de problème vis-à-vis de votre image, alors, si vous aimez les autoportraits? Ben, justement, si. C'est totalement opposé à ce qu'on pourrait croire, en fait. Je suis justement très pudique. Et je n'aime pas du tout qu'on me prenne en photo. On parlait tout à l'heure dans le langage du corps, ça existe ça? Bah, je pense que oui. Par exemple, là, je suis les mains sur le fauteuil, je suis un peu stressée, donc ça se voit. La position de la tête, le regard, la position des mains, des bras, du corps, un corps qui est tordu, replié, ou justement tout à fait épanoui. Et tout, enfin très ouvert, je vais dire. Dans tes photos, alors quelle langue tu parles? Moi, je suis triste, je pense. Voilà.